Le programme s'adresse à des gens qui sont minutieux, qui aiment le travail bien fait, qui sont autonomes, puis qui sont capables de résoudre des problèmes rapidement. Le programme dure 630 heures et permet l'obtention d'une AEP. On peut travailler dans le milieu hospitalier, dans les édifices publics, dans les secteurs agroalimentaires. Le programme d'hygiène et salubrité en milieu de soins est vraiment divisé comme en trois gros volets. Il y a 6 semaines de théorie, il y a 6 semaines en CHSLD et il y a 6 semaines dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui me passionne dans l'AEP que j'ai suivi, c'est parce qu'il y a de l'avancement dans ce métier-là. Puis, comme présentement, je suis chef d'équipe à la Cité de la Santé, puis ça me donne une certaine autonomie puis une confiance en moi aussi. On peut vraiment aussi s'étendre dans d'autres domaines, comme je vous donnerai comme exemple chez les dentistes, garderie, milieu alimentaire. C'est vraiment étendu en hygiène et salubrité. Vous êtes actif et à l'écoute des autres? Choisissez un emploi très demandé dans l'industrie de la santé. Devenez préposé en hygiène et salubrité en milieu de soins. En moins de 6 mois, apprenez les techniques de nettoyage et de désinfection d'un établissement du réseau de la santé. Votre bonne forme physique, votre minutie et votre équilibre psychologique sont vos forces. Tous vous recherchent, dont les centres hospitaliers, les centres d'hébergement et de soins de longue durée, ainsi que les centres locaux de services communautaires. Soyez de l'équipe!